Le conseil municipal a voté l'augmentation du temps de travail des employés municipaux. En effet, la mairie de Carcassonne s'était fait épingler en 2013 dans un rapport de la Cour régionale des comptes pour un volume d'heures travaillé de 1541 heures annuelles, soit 66 heures de moins que la durée légale et de 33 jours de congés payés par an. Il était temps pour le maire de se mettre en conformité avec la loi. Alors les employés municipaux vont travailler un peu plus de temps et travailleront le vendredi après-midi. Cela suppose une organisation du fonctionnement de service, mais ça a déjà été réglé par les fonctionnaires d'une part, par les chefs de service, par les représentants syndicaux et par la direction, ainsi que par les élus. Et un véritable consensus est intervenu puisqu'un protocole d'accord a été signé. Mais non seulement nous rentrons dans les clous légaux, puisqu'en effet le temps de travail sera effectif, mais encore on apporte à la population carcassonnaise un supplément dans le fonctionnement du service public. La réforme entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2018.